première réaction, c'est la consternation. Effectivement, elle est avérée. Il y a eu des pressions qui ont été faites par le cabinet de la ministre de la Justice pour inciter M. Faletti à quitter son poste de procureur général près de la Cour d'appel de Paris et prendre un poste d'avocat général, je crois, à la Cour de cassation, qui n'est pas du tout un poste qui a le même niveau de responsabilité. Dans ses déclarations, Mme Taubira prétend qu'elle défend l'indépendance de la justice. Elle montre par cette action-là que dans les actes, ce n'est pas le cas. Sous l'ancienne majorité, il y avait déjà eu des pressions sur des chefs de parquet. L'envie de Mme Taubira, c'est de nommer quelqu'un de sa sensibilité politique au poste de M. Faletti. Concernant le procureur général de la Cour d'appel de Paris, je note qu'il a été invité à cet entretien qui est tout à fait classique avec la direction de mon cabinet par un appel le jeudi 23 janvier. Et si vous en voulez la preuve, on demandera une fadette.